Bonjour. C'est bon, ça marche. Alors, bonjour à tous. Donc, me revoilà après une petite un petit début de semaine maladie. Je parle d'ailleurs toujours du nez. Je suis désolée parce que je tousse. J'espère que je ne vais pas tousser trop pendant le live. Normalement, je tousse pas quand je parle. C'est quand je parle pas que je tousse. Donc j'espère que ça va le faire. Je suis désolée de mon... J'ai l'impression d'avoir fumé 18 paquets de clopes, mais je ne fume pas. C'est juste que je suis prise. Voilà. Donc, je vais lancer Animal Crossing. Ce que j'ai fait... Alors, attendez. Je vais prendre l'écran d'abord. J'ai l'impression que ça marche mieux quand je le prends en première. Ou pas. En fait, j'ai un peu joué. Sachant que j'ai un nouvel. Donc j'ai deux nouveaux habitants. J'ai mon camping. Oh, attendez, la Switch s'est éteinte au même moment. Donc j'ai mon camping. J'ai mon camping. Je suis tellement contente, vous allez voir. Parce que le premier habitant que j'avais dans mon camping. C'était un habitant que j'avais dans mes coups de cœur. Je suis trop heureuse. Et hier soir... Donc hier, je suis passée... Je suis allée faire la chasse à l'habitant. Enfin, hier... si, c'est hier soir. Ce que j'avais fait avant de reset ma partie, c'est que j'avais en fait... récupéré tous mes tickets. Enfin, tous mes Nook Miles en échange en tickets. Et donc, je les ai utilisés pour partir à la chasse à l'habitant. J'ai utilisé 8 tickets pour finir par trouver alors quelqu'un qui n'était pas dans ma liste de coups de cœur, mais qui est quand même finalement dans mes coups de cœur. Alors ça, c'est la première maison de l'un de mes habitants que j'avais au camping. Déjà, je suis hyper contente. Et on va aller le voir tout de suite parce que du coup, il a emménagé hier. Donc là, normalement, sa maison doit être faite et prête. Et je suis trop contente. Et du coup, ça m'en fait 2. C'est 6 vets. Je suis trop contente. Ok, Camille, sois la bienvenue dans l'humble villa 6 vets. Et sa maison, déjà, elle est top. Et lui, je le trouve trop chou. Une table basse en bois. Cool. Ah, pour du rêve ou ma fameuse table basse en bois. Ouais. Pour le rêve, je me trouve dans l'obligation de te décevoir puisque j'ai oublié. Mais ça ne m'a pas empêché de concevoir un plan de bricolage. Tiens, c'est pour toi. Et du coup, voilà, c'est Civet. Et l'autre, on va aller voir. Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, il est trop mignon. Ah, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Et donc, oui, le deuxième habitant, c'est aussi un lapin. Et donc, je suis assez contente. Ça me fait 2 hamsters. 2 lapins, du coup. Donc, on va aller voir sa maison. Donc ça va, sa maison elle est aussi mignonne, elle va un peu dans le thème aussi de mon livre, même si c'est pas non plus la même chose que dans Civet, mais je suis contente. J'ai déboursé 8 tickets pour Clara. Non, elle est trop chou aussi. Elle est trop chou. Camille, tu m'avais pas menti, cet endroit est à peine croyable, j'en suis déjà amoureuse. J'ai bien fait de venir ici et si tu veux mon avis, je suis pas prête de repartir. Bah tant mieux. Voilà, donc c'est Clara. Et donc maintenant, en habitant... Excusez-moi. J'ai donc Gradub et Théo qui sont des oursons. Civet et Clara qui sont des lapins. Emma qui est un hamster. Kat qui est un chat. Et Hippie qui est un hippopotame. Et du coup, je suis trop contente. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est un peu de farm les tickets Nook Miles, enfin des miles, pour avoir des tickets, pour aller chercher. Donc il faut que j'installe, j'en suis rendue à l'étape, il faut que j'installe mes parcelles. Donc là, vous voyez, déjà, je suis un peu deck parce que je suis obligée de mettre mes parcelles autre part que sur la plage, parce que tout ne passe pas sur la plage. Mon île fait que les plages sont trop petites. Alors ça me... Voilà, donc je ne peux pas... Par exemple, ici, je ne peux pas mettre de maison, je suis deck. Donc je suis en train de placer les maisons... Je vais tout regrouper quand même sur cette partie de l'île pour que je puisse commencer à faire de l'aménagement quand je pourrai l'autre côté, à droite en fait. Donc je pense que je vais faire ça. Donc ouais, le but c'est de farm des tickets. Je vais aller voir Gradu. Je ne
ne suis pas encore allée le voir. Donc je vais faire ceci. Et puis ensuite, je pense que je partirai à la chasse à l'habitant. Bah, tu t'assois en plein milieu? Et comment tu trouves mon petit gémois? Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Il paraît que tu as déterré tout un tas de fossiles hier. S'il y a des fossiles, ça veut dire qu'il va y avoir des dinosaures ici. On emménageait trop tard, on aurait pu se balader à d'autres dinosaures, le loot. Il est mignon. J'ai l'impression qu'il est toujours triste, mais il est mignon. Donc j'ai commencé à faire un petit peu d'aménagement aussi. Vous voyez, hippie, elle est trop chaud. Je vais parler tout à l'heure. Alors, attendez, il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse de la personnalisation, un carassin, à vendre un article phare. Ça, je peux faire. Je vais aller chercher ça tout de suite. Je sais ce que c'est, j'ai vu. Mince. Si, c'est le four en pierre. Je crois que j'en ai deux en plus. Ouais, nickel. Prendre ça déjà. Ok. Et ça c'est quoi? Ah ça faut que je le vende, le flambeau. Il faut que je vende des fruits. Ça je vais entreposer. Ça aussi. Je vais mettre ça, il faut que je vende. Il faut que j'emmène mon... Merde. Faut que j'emmène mon petit escargot à Tibou. Je vais y aller. Alors. Alors. Le petit escargot. Il pleuvait sur l'île ce matin. Comme dans la... Oh, j'espère qu'avec les orages, ça va pas couper le stream. Parce qu'il y a des gros orages où j'habite. On verra. Enfin, il y a des gros orages. Il y avait ce matin. Ça a pas fait sauter le coup en chaîne. Bah. Ah mais non, j'en ai attrapé un autre escargot qu'il faut... Je l'avais déjà donné. Ok. Bon, ça va du coup. Alors. Je vais aller vendre ça. J'ai pas trouvé de mutigales. Je n'arrive pas à les trouver. Elles sont sur les arbres pourtant. Je comprends pas. Ou alors je regarde mal. Donc. Mon taux de navette 114. Énorme. Donc ça et ça. Tac, tac. Allez, je vends tout ça. Dommage qu'on puisse pas changer des clochettes en tickets and smiles, sachant qu'on peut faire l'inverse. Ah mince, attends, j'ai vendu ça combien? Ah ouais, quand même. Bon, ça c'est fait. Mince. Ah, je vais faire une photo. Ok. On va faire une photo ici. Ah non, c'est pas le bon bouton. Attends. Tac. Alors, est-ce que je peux mettre... Ah ouais, je l'aime bien ce filtre. Ça me fait rire. Ok, photo, c'est fait. C'est quoi le truc d'après? Faut que je vende ou faut que j'achète? Gagner des clochettes en vendant des objets. Vendre des coquillages. Ok, ça je peux faire. Salut Jupi, comment tu vas? Vendre les coquillages. J'ai pas été faire le tour là-haut. Je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut m'intéresser.
Ça va, je me remets de ma de mon rhume, si je parle encore du nez, et que je tousse. Mais ça va, et toi, comment tu vas? Ah bah nickel, t'as dit, d'accord. Ah, il va falloir que j'ai terminé. Donc, ça c'est pas des mules, hein. Bah non. Hop là. Tac. Les coquillages. Ah ben, j'en ai ramassé pas mal. En fait, j'ai l'impression que par rapport à mon ancienne partie, elle est. Oh, il y a un arc-en-ciel. La première fois que j'en vois. Je sais plus ce que je veux dire. Oh, il y a de l'orage. Vous avez pas de bug? Non. Par contre, je vois que le texte part pas. Qu'est-ce qui se passe? Salut, j'aime trop Animal Crossing. Est-ce que vous avez des bugs ou pas? Va voir si ça reste, ça revient ou pas. Dites-moi, hein, n'hésitez pas, hein, parce que si jamais ça plante. Il est beau l'arc-en-ciel. J'espère que vous allez bien. Que c'est pas trop là, le déluge. Non, c'est bon, ok. Bah, je sais pas, c'est peut-être un. Écoutez, je vais un peu mieux. C'est toujours un peu mitigé. Mais bon, en fait, là, je tousse pas mal quand je ne parle pas. Donc, je dis. Je tousse un peu quand je parle, mais j'ai beau manger du miel, je vous jure, j'arrête pas. Cela ne change rien. Oh, il est gros, lui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est dans l'autre sens? Ah oui, merci. Coucou Lola, CNH, comment tu Donc je fais aller. Mais bon, j'ai pas de chance. Moi, sur mes 2 semaines de vacances, il fait maintenant horrible. Et je suis malade. Voilà, toujours comme ça. Je devrais le savoir depuis le temps. Eh ben ça va, ça va, ça va. Ça va mieux. Ce n'est pas le Covid, rassurez-vous. C'est une crève due à la climatisation. Tu as besoin de clochettes? Non, c'est gentil. Ça va. J'ai pas besoin de clochettes, merci. Je m'en sors. Coucou Ilouane, comment tu vas? Alors j'ai Sarah, mais je lui ai déjà pris les tapis. Alors attendez, il fallait combien de coquillages? Je pense que ça va être ok là. Sol fond marin, je crois que je l'ai déjà. Ah bah non. Bah écoute, ça va mieux. J'essaye d'aller. De faire aller. Bricolection. D'accord. Ok, donc, alors attendez, c'est 10 co c'est 10 coquillages? C'est 10 coquillages? Coucou Timothée, Timothée, comment tu vas? Ne vous inquiétez pas pour les gros booms, c'est de l'orage. J'espère vraiment que ça va pas. Normalement, non. Ça devrait aller. Ça va, ça va, ça va, merci. Alors, gagner des clochettes, c'est 10, donc ça devrait le faire. Personnaliser des objets, faut que je fasse ça. Alors, attendez, je vais aller chercher mes kits. De personnalisation. T'as trop de chance d'avoir de l'orage. Ah, j'aime pas ça l'orage. Je vous jure, j'aime pas. En vrai, hier soir, on est revenu assez tard de balade et il y avait des gros éclairs dans le ciel. Ça, j'aime bien. En fait, ce qui me fait peur, c'est les booms. J'aime pas sursauter, vous le savez.
Et du coup, je déteste quand ça me prend. Par exemple, aujourd'hui, ça m'a réveillée par sursaut. C'était vraiment horrible. Il était juste au-dessus de chez nous et ça me fait vraiment peur. J'aime pas ça. Je fais partie des gens qui n'aiment pas l'orage. Ouais, il fait 40 degrés. Ah, mais il fait chaud aussi ici. Hein. Est-ce que tu as des appâts à me vendre? Ah non, j'ai pas d'appâts, je suis désolée. Ah bah, Timothée Dorma, si tu veux. Salut Draco. Draco? Dracose? Comment tu vas? Donc, il faut que je personnalise. Alors. Bah, super, si tu vas bien, c'est le principal. Non, je veux pas bricoler. Ah, mais attendez, s'il faut que je bricole du coup. Parce que j'en ai pas dans mes poches. Ouh. Merci Dracos pour le follow, bienvenue à toi. Ah oui, c'est cette table basse. Ouais, c'est... Vous pouvez vous organiser sur le Discord si vous voulez, les gars aussi. Les gars, les filles, je sais pas trop. Timothée. Enfin, je vous laisse faire. Est-ce que je peux crafter ça? Ah non, ça va me prendre tout mon bois. Donc non. Ou alors je personnalise mes outils. Attendez, je vais faire ça. J'ai des tickets à donner ou à vendre pour ceux qui veulent parce que j'en ai beaucoup trop et ça me prend beaucoup de place. J'ai 5 plans. T'as des tickets à donner, des tickets... Des tickets quoi? Des tickets Nook? J'ai 5 plans à me débarrasser, si tu pourrais m'en débarrasser. C'est quoi tes plans, Elwan? Oh, j'entends l'orage. Ah, je peux personnaliser ça. Ah, je vais mettre ça en blanc. J'aime bien. Coucou Yakarma, comment tu vas? Bah écoute, moi je serais intéressée Lola. Je sais pas combien tu les vends. Parce que comme j'ai la chasse à l'habitant à faire, ça m'intéresserait bien. Bah ça va mieux. Je me remets de ma maladie. Enfin de mon rhume. Oh, orange, on dirait qu'il est doré. C'est chou. Je vais le mettre blanc aussi. Je vais arrêter, normalement c'est ok. C'était deux, hein. Yes. T'attraper un rhume. Ouais. À cause de la climatisation. Il n'y a que moi pour attraper ça pendant mes vacances. Alors. qu'est-ce qu'il fallait que je fasse d'autre? Attendez. Que je fasse les choses dans l'ordre. Gagner des clochettes en vendant des objets. Je vais aller vendre mes coquillages. Et après, il faut que je tape sur les cailloux. Je vais aller faire ça. Ah non, pas dans les fleurs. Je peux te les donner, je sais pas pourquoi j'ai mis à vendre. Bah écoute, je peux te donner une compensation. Peut-être que tu souhaites quelque chose en échange. N'hésite pas. Achète-moi des trucs. Oula, attendez, ça passe. Ah, c'est ce que... C'est pour ça que j'arrête pas d'éternuer, là. Ah, je sais pas, écoute, moi, j'étais à Faune il y a 2 jours. J'éternue tout le temps. Dès qu'il dépasse 35 degrés chez moi, je mets la clim à 19. Ah ouais, non, bah oui, bah effectivement, c'est un peu beaucoup... Enfin, c'est un peu froid, 19. Ça, je peux vendre. Tiens, on va en profiter. J'ai pas la clim. Bon, ça l'inverse, j'ai fait 3 malaises parce que j'ai fait une installation. Ah ouais, ça j'ai fait aussi, c'est vraiment pas drôle. J'ai pas la clim. Cajou, j'ai 4 plans que tu as pas normalement. Bah écoutez, on peut peut-être se rejoindre quelque part. Alors attendez. Marché conclu. Je peux à la rigueur peut-être... non, je crois qu'il y a encore des trucs qui traînent par terre. Ou alors si je peux vous ouvrir, faut juste que je fasse le tour. Alors, bah sur mon île et moi, on est amis.
Ah bah on peut peut-être se rejoindre sur ton île, Eloane, alors. Puisque je suis amie aussi avec toi. Sur Switch. Attendez. Il y a du monde aujourd'hui, c'est cool. attraper des insectes, attraper un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un papillon? Taper sur des pierres. J'ouvre. Ok. Bah j'arrive juste après, Eloane. Tu me dis quand c'est ok. Je vais te prendre... Qu'est-ce que je peux te prendre? C'est ouvert. Ok. Ça marche, j'arrive. Mais du coup, Lola, t'es sûre que tu ne veux rien? Oh, j'entends l'orage. Il n'y a pas de drop, donc ça a l'air d'être ok. Je sais pas où tu sais. Oui, bras, comment tu vas? Alors. Ah oui, j'ai remis mon hymne. Je vais aller voir quelqu'un. Je vais en ligne. Ah, t'as fait le truc des navets, bien joué. Faut les mettre à la banque. Donc je fais dans ma liste d'amis, normalement c'est ok. Je teste. Ah oui. Oui. J'ai pas refait de navet depuis... un moment. Ah, j'arrive. Hier, j'ai eu plus d'étoiles avec 9 étoiles. Avec 9 étoiles. À la suite. C'est pas mal ça. Moi j'ai pas encore eu de pluie d'étoiles sur la nouvelle île, je crois. Oui, j'en ai eu que 9. Ah ouais, non, c'est pas beaucoup du coup. C'est pas terrible. Je suis désolée de tousser. Tac. Alors. Du coup, il y a des trucs par terre. T'inquiète pas, je vais pas y toucher. Ça j'ai aussi. Je peux même faire le truc qui m'arrive en ce moment. J'essaie de nouveau là. Bon, si ça coupe, c'est qu'il y a de l'orage. Hein. Je vous préviens juste. Du coup, on attend Lola, c'est ça? Ah non, ok. Je te suis. J'arrive, j'ai de la place dans les poches. Y'a pas de problème, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que tu m'as... Ah, t'es trop gentil. Merci beaucoup.
Et si vous avez de l'orage, chez moi il fait trop chaud. Moi j'habite en Loire-Atlantique. Ah, baguette coquillage, je crois que je l'ai. Ouais. Alors attends, ça je l'ai pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas vu. Attends. Commode, bloc de bois. Je crois que je l'ai. Ah non, je l'ai pas. Trop bien. Merci Elouane. Parapluie orange, je l'ai pas non plus. Qu'est-ce que c'est? Vaisselle en terracotta. Oh, j'adore. Pardon, 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 pardon. C'est bon. J'ai tout fermé. Mais il fait chaud ici chez moi aussi, hein. C'est pas parce qu'il y a des orages qu'il fait pas chaud. Il y a eu de l'orage de 12h à 18h chez moi en Normandie. Bah ouais. Non mais c'est partout sur toute la France il me semble. Après je sais pas toi où t'habites. Il y a karma, mais je suis dans l'Aude, ça fait 2 jours que j'entends des Français dire qu'il va y avoir de la pluie et de l'orage. Bah il y en a. Mais pas chez toi. Sirius d'élite anonyme. Ah, j'adore. Je sais plus ce que j'ai mis, moi. J'avais pas le choix. J'avais pas trop de trucs. Trop de choix, je crois. Le sud, c'est pas la France. Les nuages nous goûtent, c'est pas cool. Du coup, en plus de Mathéo, j'ai Raymond. Mais non. Ah, mais si, c'est vrai, tu l'as dit chez Mioni, je crois. T'as bien carburé, hein. Mais tu l'as trouvé comment, Raymond? Regarde mon passeport. Je sais pas si on peut regarder les passeports. Je crois que je peux voir que le passeport des douanes. Fauché en liberté. Mais je peux pas regarder ton passeport, Lola. Je peux regarder que celui des douanes. Qu'un ticket. Pas bien joué. Alors attends, il faut que je te donne quelque chose. Est-ce que tu as la pochette coquillage? Parce que déjà, si tu l'as pas, je vais la remettre là. Et qu'est-ce que je pourrais te donner? Je peux donner des clochettes. Allez, je vais poser des clochettes. C'est pas beaucoup, hein. Je peux peut-être même te donner plus que ça. Attends. Je vais te donner ça. Voilà. Oh, l'orage est au-dessus de chez moi. Avec le bouton droit, tu peux voir les autres passeports. Ah, attends. Oh, vous m'apprenez des trucs, hein. Ah oui, trop bien. Senpai. Senpai. Je suis désolée, je sais pas lire. Je ne sais pas, je connais pas les connotations. Will be mine. Félidé. Ah, t'as des cerises. Anniversaire 11 novembre. Ah, il y a ton code onirique. J'ai fait une capture d'écran. On ira voir ton île. Ah, t'es né le 27 juin, Elouane, comme mon petit frère. Vous êtes trop mignon. Non. Mais attends, mais tu vas pas me donner tout ça. Mais tu vas pas me donner tout ça, Lola. Mais vous êtes fous. Mais non, mais je peux pas accepter tout ça. Mais comment ça se fait que t'aies autant de tickets? Je vais pas en prendre autant. Je vais pas en prendre autant. C'est beaucoup trop, vous êtes beaucoup trop gentil. Bonjour Yunobi, comment tu vas? Tu le connaissais pas? Cool, bah Elouane, voilà. Je vais pas prendre tous les tickets, je vais partager. Alors attends, mais est-ce que tu veux autre chose? Mais j'ai rien dans mes poches. Est-ce que... Elle en peut plus. Non, j'en peux plus. Attendez. C'est dommage qu'on puisse pas ajouter des gens. Cadeau, j'ai trop de sous. Si. Oh, vous êtes vraiment trop mignon. Franchement, merci. C'est Yandere Simulator, mon passeport. Ah!
Non mais Éloine, tu veux peut-être des tickets, on peut peut-être partager, je vais pas prendre tout ça. Voilà, vous allez voir, on va faire de la chasse à l'habitant. Hein. Est-ce que tu recherches quelque chose, Lola? En particulier. Tiens, Éloine, prends peut-être le reste. J'en ai déjà beaucoup là. Bah oui, vas-y, je partage, hein, je vais pas prendre tout ça. C'est beaucoup trop gentil. Attends, t'as écrit quoi, Lola? Merci beaucoup, bah merci à toi. Attends, moi je vais écrire aussi. Comment on fait? Je sais plus comment on fait pour écrire. Ah voilà. Attendez. Depuis hier, je prépare un bœuf bourguignon. Je vous dis pas l'ambiance, l'odeur envahit l'appart, ça donne trop faim. Attends, il fait 35 chez toi, tu fais un bœuf bourguignon? Lola, si tu cherches quelque chose en particulier, surtout n'hésite pas. Merci à toi aussi. Non, mais vous êtes beaucoup trop gentil. Qu'est-ce que c'est, Éloine? Mais non, mais garde tes sous, Éloine. Garde tes sous. C'est très gentil, mais garde-les, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Timothée, je sais pas si tu peux venir sur l'île. Prends, j'en ai trop. Moi aussi, j'ai trop de sous. Enfin, j'ai trop de sous. J'ai ce qu'il faut, t'inquiète pas. Prends-les, Lola. Tiens, je te les donne. Prends les clochettes, Lola. Mais non, c'est trop gentil, mais vous me donnez beaucoup trop. Vous êtes trop chou. Bon, je vais les prendre. Non, pas vraiment. Allez, je veux pas fâcher. Mais c'est vraiment beaucoup trop gentil. Bah écoutez, si vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou à échanger vos codes amis. Comme ça, si jamais vous cherchez quelque chose en particulier, je peux vous les envoyer par la poste. Ou... Je sais que je suis amie avec Éloine. Mon code ami, il est épinglé sur le Discord. Il y en a qui font des raclettes en été. Ça fait deux jours que ça parle d'orage. Oui, non, mais c'est pas... Les orages, c'est pas parce qu'il y a des orages qui éclatent qu'il fait plus froid. Enfin, il fait un peu plus froid, mais c'est des masses d'air qui se rencontrent. Et on fait pas une raclette, moi je fais jamais. Je crois que j'en ai même pas mangé cette année de raclette. Tu fais un bœuf bourguignon. Par contre, ça, c'est vrai que ça sent bon. Moi je cherche le Olan de l'étagère en bois de fer. Le plan de l'étagère en bois de fer. Je cherche à me débarrasser. C'est trop chou. Attends, tu cherches le plan de l'étagère en bois de fer? Parce que je crois que je l'ai. Enfin, j'ai déjà eu le plan, mais j'ai l'étagère. Ah non, c'est la kitchenette machin. Ah non, j'ai eu le plan de la table en bois de fer aujourd'hui. Ok. D'accord. Si jamais je l'ai, je le mettrai de côté pour toi. En tout cas, c'est trop gentil. Merci encore. Bah du coup, on va aller partir à la chasse à l'habitant. Hein. J'ai fait une pirade. Vous êtes fous. Une pirade. Du coup, on peut aller voir Mathéo ou pas? Oh là là. Oh, mais t'as qu'à pris, Chavrina. Marie-Lou, Rosie, Marina. Ah. Bienvenue à toi, Nono. Salut, comment tu vas? Cachou vient me donner un avis sur quelque chose. Oui, je te suis. Merci, Nono, pour le follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. De rien. Alors, attendez, je vais suivre Éloine. Alors, attends. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, ça va. Je te remercie. C'est pas mon île. Fossiles, vous pouvez. Alors attends, je crois que je les ai ces fossiles là. Crâne de Parazolo. Alors je sais pas, je pourrais pas te dire. Parce qu'il y a rien qui les répertorie. Mais en fossiles, je crois que j'ai déjà pas mal de. Je veux pas abuser non plus. Vous êtes vraiment trop mignons. Ah, je croyais. J'ai quasi tout en fossiles. Bon alors attends, je vais les prendre et puis si je les ai pas, je les ramènerai. C'est quoi? Corps de mammouth. Ah non, j'ai pas ça. Ok, bon. Arrêtez de me donner des choses, j'ai l'impression d'abuser. Vous êtes trop gentil. Alors vas-y, je te suis. Tu veux, tu veux que je te donne ton avis sur quoi? Sur ce qu'on prend? Ah, il y a Jason. Est-ce que tu veux qu'on arrose tes hybrides, enfin tes fleurs? Il est monté.
Oh, c'est mignon. Attends, je vais passer par là. Ah! Oh, c'est chou, le petit parc. C'est vraiment trop chou, avec le petit chien, avec les petites pattes. C'est très joli. C'est très très joli. Ah, mais du coup, t'as bloqué les sapins, ils vont pousser. Ah non, ils vont pousser. Oh, c'est chouette. Attendez, je me trompe de bouton. C'est très très chouette. Hein. Ouais, j'avoue, c'est beau. C'est beau ce que t'as fait. Ce petit... Il manque un tabouret. Ah oui. Tu peux les acheter, les tabourets. Sur application. Attends, tu veux que je vais je vais le commander. Ah oui. Est-ce que tu veux qu'on arrose? Moi, je peux arroser. Hein. Si tu veux d'autres hybrides. Ah, mais là, ça sert à rien. Je suis bête. Attends. Ça sert à rien d'arroser, là. Pas ici. Bah oui. Elles sont où tes fleurs arrosées? Je crois qu'elles sont en dessous. Ah, il y a Mathéo. Alors, attends, on va aller dire bonjour à Mathéo. Ça, c'est la maison de Capri. On va aller dire bonjour à Mathéo. Vu que tout le monde est fan de Mathéo. Bon, il est mignon, c'est vrai. Mais il y a tellement de hype, moi je préfère les oublier. Ah bah il craft. Qu'est-ce qu'il craft? Je l'avais eu en aléatoire. Ah, vous avez de la chance, vous. Sur mon autre île. Ah, t'as refait une autre île. Qu'est-ce qu'il fait? Un engrenage en or. Oh. Bah, je sais pas si vous l'aviez. GG vient prendre le plan. Ah oui, ah, je me dépêche. C'est la queue. Éloigne, je peux venir sur ton île. Viens voir mon île, je suis trop fière de mes habitants. Sa maison est magnifique. Ouais, elle est belle sa maison. Elle est vraiment chouette. Attendez. Alors. Attendez. Ok, comme ça. Allez-y. C'est vrai qu'elle est chouette sa maison. Super, c'est à présent fabriquer un engrenage en or. C'est vraiment trop beau. Je trouve ça trop mignon. Il y a du goût, Mathéo. Gardez-les. Récupère l'or. T'es coincé. T'es coincé. Je vous laisse, je vais manger. Ça marche, Joupi, merci d'être passé. Bon appétit. Bah oui, sa maison elle est vraiment chouette. Alors attendez, du coup j'ai quoi comme nouveau craft? Donc celui-là. Oh, quand je suis allée sur les îles désertes pour trouver des habitants, je suis tombée sur le plan des petites bûches en bois, j'étais refaite. Beaucoup trop contente. Bah je commence à avoir des petits plans. Hein. J'ai déjà. Ah mince. Pardon. Revends-le. Je vous fais un petit thé? Ou un petit café? Comme vous voulez. Du lait. J'adore. Bossa de kéké. Bien joué. Bon allez, je continue. Je vais aller arroser tes petites fleurs, Éloine. Et après, je pense qu'on va partir à la chasse à l'habitant. Du coup, on va aller mettre le nouveau... comment ça s'appelle? Oula! Nouvelle parcelle et puis on va partir chasser. Oula, bois de sapin. Alors, je vais t'arroser tes fleurs. Ouais, j'arrive après. Pas de soucis. Pourquoi j'ai dit ça? J'arrose les fleurs, je suis au niveau de la maison d'Éloine. Lola.
Pas bien loin, près de la place. Alors. Tu voulais jouer à quoi, Eloan, dans la maison? C'était long. Je ne pouvais rentrer. C'est mignon. Bah, t'as changé des trucs. Bienvenue, Arthur. Merci pour le follow, bienvenue à toi sur la chaîne. Voilà, 4 millions. 18 000 clochettes. T'as tout ça dans tes poches. Qu'est-ce que tu... Alors attends, il est parti où? Ok. C'est joli ce que t'as fait de la maison. T'as changé des trucs, non? Voilà 4 millions 78 000 clochettes. Qu'est-ce que t'as acheté? Ah, c'est ta maison, tu veux dire? Mais attends, t'as tout refait, non? C'est chouette. C'est très joli, hein. Au dodo. Ah, dans mon sac je parle, d'accord. C'est très joli. Avec les portes. Oula. Ah oui, t'as mis tout ça dans tes poches. Oh, ça doit être lourd. Hein. Une tirelire géante. Alors. Il est passé par où? Oula. Lola, elle est passée à travers le mur. C'est vrai que quand on est en multi sur les îles, j'ai remarqué qu'il y a vachement de bugs quand même. Ah non, ça t'as pas changé. C'était déjà comme ça, je crois. En tout cas, c'est chouette. J'ai un gris. Ah. Non, c'est sympa. Hein. Tout est tout est tout est tout est tout. Oula. Oh, attendez, c'est fou, c'est quoi ces problèmes de... Ah, il y a eu un petit drop apparemment, mais ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, vous avez même pas dû le voir, vous. Ah. Ah, oh, j'aime bien ce mur. Ah non, en fait. D'accord. Tu t'es planté de pièces? Écrire c'est là-haut. Aïe, oh. C'est là plutôt. Alors. Ah mais t'as... Ah oui, t'as refait la cuisine? Non attends, c'était pas une cuisine ici avant. Je me souviens plus ce que c'était. Mais oui, c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle était vide la salle. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est chouette, hein? Deux éviers. Moi, j'ai pas de talent. Non, c'est très joli. C'est vraiment très joli. Que du riz. T'as mis deux cuiseurs à riz. Hop. Non, c'est bien. C'est bien d'avoir mis ça ici. C'est rare. Non, chez qui j'ai vu ça aussi. Il y avait une cuisine. Ah, trop bien. C'est trop bien. T'as mis bleu et rouge. Petite gamelle. Bah écoute, c'est très bien. C'est très joli. C'est vraiment très joli. Ouais, c'est sympa, hein. Très belle maison. Tu as une très jolie maison. Moi, j'ai pas encore fini d'aménager, d'agrandir la mienne. Du coup, pas aménagé encore. J'ai fait que la pièce principale.
En même temps, la cuisine, c'est toute ma vie. Ah. Salut Kenzo, comment tu vas? Bienvenue à toi. Merci pour le follow. Si j'ai arrosé des fleurs ici. T'as des fleurs violettes, j'adore ces roses-là. Je suis en train de les farmer moi sur mon île. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Écoutez, je vais aller à la chasse à l'habitant. Je regarde s'il n'y a pas d'autres fleurs à arroser. Ah oui, mais elles sont sur la plage, les fleurs. Donc je ne peux pas. Ah oui, le magasin. Alors attends, allons-y. Ah, ta boutique. Attends, mais il est où ton magasin? Côté. Ah oui, il est tout dans le fond. Je me souviens. C'est vrai. Bonne chasse. Allez, je vais déjà aller mettre la parcelle. Va dans les deux magasins. Ouais, alors attends. Oh, c'est chou. Je vais regarder ce que tu as. Hein. Alors. Oh, il est trop mignon. Tout, 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 tout. Oh, il est beau celui-là. Mur à moulure orange. Attends, STP. Oula. Attends quoi? Salut, Lanart. Non, écoute, les sols ne me... Il est vraiment trop chou qu'il y a dans le téléphone orange. Allez, je prends ça. Oh bah non, mais oui, mes poches. J'ai trop de trucs, hein. Vous m'avez donné beaucoup trop de trucs. Vous êtes trop mignons. Je vais aller faire un tour dans ta boutique, mais j'ai les poches pleines, donc... Attendez, je vais mettre mon... Bah non, je peux pas. Il y a une personne qui a le plan de lampe palmier en double. Non, j'ai pas les plans. Je vais juste aller faire un petit tour dans la boutique de fringues, mais je pense que je vais pas acheter et j'ai plus de place de toute façon. Je vais juste aller voir ce qu'il y a. Je te les enverrai. Tu veux m'envoyer quoi? Pas grave. Ah. Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, attends, je vais aller voir. C'est bizarre de voir la cabine d'essayage du coup. Ah bah oui, elle me fait le speech de quand... Les articles, je vais te les envoyer. Ah! Oh, t'inquiète pas. Pardon. Il y a peut-être rien qui va m'intéresser. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Chapeau mâché. Ah, ça fait peur. Tu peux venir sur mon île, il y a une lampe palmier. Ah, elle cherche le plan. Île. Ah, je sais plus, Yunubi. Tac. Elle, c'est ça. J'ai bien dit au début. Oups là, pas les fleurs. Eh bien écoute, Eloane, je te remercie beaucoup. Lola aussi. Franchement, c'est grâce à vous que je vais faire une chasse à l'habitant de ouf. On va pas tarder à y aller d'ailleurs. Je sais pas où est Lola. Marina. Je sais pas où Lola, elle est peut-être encore dans les magasins. Je vais juste l'attendre.
Ça en fait du ticket. Ah ouais, ça sert à rien ce que j'ai fait. Ah, elle arrive. Merci encore beaucoup, Lola. On ne voit pas avec ton chapeau. Bon, en tout cas, c'est vraiment adorable. Je vais aller placer la parcelle et on va aller voir qui on peut... Comment t'as fait pour garder des trucs de ton ancienne île? Je veux trop que tu vois mon île. Bah, je viendrai la voir en code, soit en dodo code, soit en code onirique, si tu veux, Lola. Comment t'as fait garder... Ah, comment j'ai fait pour garder des trucs de mon ancienne île? Comment j'ai fait? Eh bien, j'ai pris ce que je voulais garder, je les ai mis sur l'île d'une amie. J'ai fait des voyages. Et je suis, donc j'ai écrasé mon île, j'ai refait mon île et j'étais recherchée. Voilà. Pourquoi tu me dis attends, il en art, je comprends pas. Voilà comment j'ai fait. La poule. Faudrait que je refasse des emotes. Je vais faire un dodo code. Ça marche. Je vais faire la parcelle. Je vais aller chasser un peu de l'habitant et je viendrai la visiter juste après. Ça marche, Lola? Non, on met pas les dodo codes dans le... On met pas les dodo codes dans le chat, Inanart. Il y a un Discord si tu souhaites, mais on met pas les dodo codes ici. Je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose avec une personne qui passe sur le stream. Alors, je vais aller poser des choses et je vais aller préparer la parcelle, sachant que il faut que je prépare l'endroit d'abord où je vais aller la placer. Tu peux redire ce que t'as dit, monter la merdée. Alors qu'est-ce que tu veux que je redise? Que je prépare d'abord la parcelle et que je viens visiter ton île après? Je sais pas si c'est ça que t'as entendu. Que t'as pas... Merde. Que t'as pas entendu. Oh non, à chaque fois. Tac, entreposer. Je vais entreposer ça. Je vais aller poser... Je vais aller voir Thibou. Et je vais aller chercher. Pas de soucis. Je reviens, je vais chercher de l'eau. Il n'y a pas de problème, il m'est vu. J'ai vendu mes navets ce matin sur un site. Comment ça, t'as vendu tes navets ce matin sur un site? C'est pas grave, j'ai Keblo. Je comprends pas. je vais faire expertiser un fossile d'abord. Est-ce qu'il me dit quand? Ah ouais, quand je fais un par un, il dit ok. Reuil une vie.
C'est un site où les gens postent leur taux de navet. Et quoi en échange? Tu vends de chez eux. Le ticket de coin que j'ai vendu. Ah, d'accord. Ah, oh, il y a un site pour ça. T'as bloqué l'entrée. Ah, d'accord, ok. Ah non, non, pas d'exposé. Ça suffit. Il y en a pas que un. C'est un peu genre comme Nukazone. Ah bah voilà, j'avais pas. Je savais que j'avais l'autre. Il y en a des milliers. La vache. Non, une autre fois l'explication. Non, rien. Alors. Je vais aller poser ça. T'as une hache? Bien joué. Je vais donc aller poser ça. Et ensuite, je vais demander l'installation de la parcelle à Tom. Alors, d'abord ici. Donc je vais déposer les clochettes. Tu as Sarah? Oui. Si vous voulez, je pourrais vous ouvrir. Merde, je suis ressortie. Andouille. Township Exchange. Ah ouais. Je savais pas qu'il y avait. Moi j'avais vu des pages Facebook, mais je savais pas qu'il y avait des sites. J'ai peur de me faire ban. Comment ça? J'ai pas mis de. Ah si, pour les liens peut-être. Ah, je sais plus. Par le bot. Et t'as dit quoi? Moi j'ai même pas eu de message. Parlons infrastructure. Oui, pour le lien, mais... Je sais plus ce que j'ai mis comme... Vendre un terrain. Comme truc sur les liens. Je crois que c'est sur du flou que tu te fais ban. Quand on met un, c'est ok. Il y a ma petite Néferti qui chante. Oui, oui, vas-y, on y va. Donc, mes habitants favoris, je vais vous les redonner. Merde, attendez. Ah, je suis coincée. On va placer une parcelle par une parcelle. J'ouvre mon appli. Donc, c'est vrai qu'il y a de la pub maintenant. Vraiment, la personne que j'aimerais trouver. Alors, attendez, il faut que j'enlève Clara de mes habitants favoris maintenant qu'elle est chez moi. Épicure, je l'adore. Ouh, ma manette. Alice, Léa, Agnès, Anne-Lise, Seguin, Loupio. Loupio, ça serait vraiment. J'aimerais vraiment. Bichoun, Coco, Stéphane, Abraham, évidemment. Bah, je l'ai même pas mis dans mes favoris, Abraham. Attendez, je vais corriger ça tout de suite. Villageois. Comment ça, je l'ai pas mis Abraham? Voilà. Oulala! En plus, si tu as beaucoup de tickets, tu peux les vendre à un bon taux. Allez, je l'ai croisé quand j'ai eu Raymond. Ah ouais? Alors, attendez, d'abord, il faut que je place la parcelle. Donc. C'est quoi ça? Bah, c'est une mue. Bah, voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure en début de stream que je la trouvais pas. Bah voilà, avec toutes les chaises que j'ai croisé tous les habitants existants. C'est pas vrai, mais non. Mais t'as combien d'heures de jeu, Lola? Faire une donation, on va lui donner la multicigale. Je dis tiens, je suis passée quand même très près, elle s'envole pas.
Bah si, j'ai vu tous ces tickets, mais comment t'as fait pour avoir tout ça? Tu les as farmés? Parce que franchement, moi le max de tickets que j'ai pu avoir... j'ai fait... Pardon, je suis désolée, mais j'ai fait oui. Elle n'a pas que 200. Non mais la vache. Moi j'en ai eu... J'ai eu 100 000 miles. Max. Quand j'ai pu farmer. Ah oui, 1020 heures de jeu. Ok, je comprends. Alors, allons placer la parcelle et c'est parti. Ah. Souvenir ému. Ah, ah bah, je savais même pas que ça allait me débloquer. Hein. Elles ne sont guère utiles mais constituent autant d'inoubliables souvenirs de la belle saison. Alors collectionne-les, des souvenirs, on n'en a jamais trop. J'avoue que ça fait beaucoup. Alors. Faudrait que j'arrive à la caler là, à la maison. Je veux vraiment tous les mettre là. En vrai, ça passe vraiment pas ici. Non. Zut. Je vais te chuchoter. Ça marchera pas. J'ai désactivé les chuchotements. Par contre, est-ce que toi et Luan, t'as moyen de le récupérer en chuchotement et de me l'envoyer sur Discord? Si cela ne te dérange pas, je vais la mettre là. Je vais mettre tout le monde là. Ah, si ça passe. Attendez, non, il faut que je le... Bien sûr, ça me dérange pas. Merci beaucoup. Ouais, on va faire comme ça, imaginons. Ok, en fait, ce que je veux, c'est mettre tout le monde ici. Pour quand je vais commencer à faire du terraforming, que je puisse faire bout par bout. Et comme ça, j'aurai tout le monde d'un côté, je serai pas dérangée. Alors. On va aller visiter l'île de Lola avant de commencer la chasse à l'habitant. Alors. Je suis en hiver à cause d'un bug. Comment ça, t'es en hiver à cause d'un bug? Oh, ils sont trop mignons. Merci. Alors, attends. J'ai Elouane. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, j'arrive, Lola. Vous savez comment ça se passe quand on rentre un dodo code. Je vous remets là et je vous récupère juste après. Non, on va pas utiliser les tickets maintenant. Jeu en ligne. T'as dû te tromper et te mettre en hémisphère sud sans faire exprès depuis le début, je suis en hiver. Ah ouais, c'est possible ça. Ta Switch, elle est bien à jour. Elle n'est pas à une autre heure ou quoi que ce soit. Parce que moi, je sais que j'avais une amie, quand elle a commencé le jeu, elle fait « Moi, je suis en automne. » Je dis « Bah attends, c'est pas possible. » Et en fait, elle avait décalé l'heure de sa Switch. Enfin, la date, pas l'heure. Ok, je vérifie juste que vous voyez rien. Alors... Tac. Tac. Comment ça? Je me suis trompée? Attendez. Si je me suis trompée, je suis vraiment une cruche. Attends. Mais non. Il est toujours actif ton code, Lola? Ok, alors attends, je vais recommencer. Lola.
Est-ce que tu peux juste me dire si ton île est toujours... Merde. Alors, aller voir quelqu'un. Quand tu verras les tickets et mes habitants, tu me croiras un peu plus. Tu le croiras un peu plus. C'est bon, j'ai vérifié, c'est le bon. Bah attendez, je regarde parce que je pense que je me suis plantée de code. Attendez. Salut Soso, comment tu vas? Attendez. Bah oui, c'est bizarre. Non mais j'ai dû louper une lettre. Attendez, attendez. Attendez, hein. L'important, j'ai bien noté ça. Attendez. Vous ne voyez rien, c'est bien. Ok. Alors, attendez, je retente. Non, zut alors. T'as pas mis... Attends. Est-ce que quand tu as fait le dodo code, tu as mis ami? Ou est-ce que t'as mis tout le monde? Parce que si tu as mis ami, moi je peux pas venir. Ça doit être ça le truc. Je remets le jeu en attendant. Non mais Elouane, ça va pas être toi, ça va être Lola. C'est quand elle a généré son code. Je dois partir, bye. Ça marche, Yannart. Merci d'être passé. Bonne journée à toi. J'ai mis tout le monde. Bah, c'est bizarre. Non, je l'ai retapé deux fois et j'ai pas, ça ne marche pas. En tout cas, pas avec celui qu'Eloane m'a donné. Je recommence tout si tu veux. Vas-y. Et je crois pas. Non, les chuchotements, je les ai désactivés sur Twitch, moi. Alors, attends. On va y arriver. Nous allons y arriver. Non, non, j'ai mis tout le monde. Ça marche, moi. Bah, je comprends pas. Je ne comprends pas. Attends. Comment on fait pour les trucs de chuchotement? C'est vrai que tout le monde me le demande, mais... Alors, attendez. Déjà, c'est où? Ah, c'est là. Attends, Lola, je vais t'envoyer un message. Ça doit être toi, ça. Est-ce que tu peux me dire si t'as reçu mon message? Comme ça, tu vas pouvoir m'envoyer ton code. Je ne dis pas qu'Eloane s'est trompée, hein. Mais en tout cas, moi, ça ne marche pas. Oula. Alors, attends. Ok, bon, attendez, j'en ai un autre. Pardon. Non, je veux quand même aller voir quelqu'un. Je vais en ligne. Ok. Ah, c'est pourtant le même. Ok, bah je vais essayer. Alors attendez, je vous recache. On va y arriver. Alors. Avec un dodo code. Alors, attendez, je me trompe pas, hein. J'ai le cerveau en compote, mais quand même. Là. Ça recherche. C'est bon.
C'est ok, j'arrive. Alors. Oui, c'est la bonne île. J'ai vu. C'est parti. Nous allons chez Lola. Tout, 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 tout. Ah bah voilà. Ouais, non mais je sais pas. Le premier n'a pas fonctionné. Tout, tout, tout. Donc apparemment, je vais être éblouie. Je sens le misclic dans mes cadeaux. Ah. Oh. Déjà, c'est fleuri, hein. Il y a de la couleur. Oh là là, ça a l'air beau. Il y a des couleurs partout. J'arrive pas à écrire de sa manière, j'écris trop vite. Eh ben, écris plus doucement. T'inquiète, on n'est pas pressé. Elle arrive en courant. Attends! Allez, je te suis. Oh! C'est beau! On est dans les cascades. Oh, il y a quelqu'un. Oups là! Donc là, on va vers la mer. Oh, c'est beau. C'est joli comme tout. C'est chouette. Attends. Ah oui. C'est trop mignon. Petite plage avec les... avec les fauteuils. Enfin, avec les petits tabourets et tout. Ok. Ok. Pour se reposer, c'est joli, hein. J'ai pas encore regardé de ses habitants. On va les découvrir au fur et à mesure. Ensuite, oula, la cabine de douche. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Avec les petites baignoires en cyprès là. Oula, l'aquarium. On envoie un fax. Voilà. C'est trop chou. Il est vraiment beau le sol. Le petit coin de la boutique. Ok. C'est trop mignon, avec toutes les couleurs sur les. Sur les patterns. Enfin, sur les sols, je veux dire. Ok. Alors, on va regarder ton île pour voir qui tu as. Oh, t'as que des chats! Trop bien! Mais oui, fais l'idée, mais. Ah là là, donc Néferti, Cédric, Linette, Raymond, Kabuki, je connaissais pas lui, Robert, Calin, lui je l'ai en carte amiibo, Rosie, Suzy et Laura. Ah, c'est pas un chat, hein! C'est trop chou! Chez Cédric. Ok, oula. Ok, elle est trop belle cette maison. Attends. La jalousie m'envahit et la Suzy. Ah, mince, je l'ai perdue. Non, t'es là. Ok. Ah. Ok. C'est fleuri et tout, c'est trop joli. Avec ton pattern au sol. Oh, c'est trop mignon. Il y a un lac en forme de cœur. Ne pleure pas, Yunobi, ne pleure pas. Je vais narguer tout le monde. Ah bah là. Du coup, on est devant chez qui là? Raymond. Ah, c'est Raymond ça? C'est sa maison? Attendez, c'est comment chez Raymond?
En disant que... Allez, vas-y, je te laisse écrire la fin. Capri, t'es où? T'as perdu Capri? Ouh là là. Raymond, c'était ton premier habitant? Eh bah... Je lui parlais parce que... Dis-moi tes nouvelles ici avant que tu viennes d'Astoria. Pour nous rendre visite. Raymond, pour te servir. Si Philippe était un jeu télévisé, je serais présentateur. Oui, je l'ai perdu. T'inquiète, il est pas loin. Il doit peut-être être au musée. Mesdames et messieurs, voici le moment de vérité. Qu'a gagné notre sympathique candidate. C'est un séjour dans les îles en compagnie de l'immense vedette Raymond. Tu l'as eu au camping en plus. Eh bah... Après, ça reste un perso comme les autres. Hein. Ah, on va se croiser. Qui c'est ça? C'est Suzy? Tiens, salut, salut. Tu dois être une visiteuse d'une autre île, je suis Suzy, enchantée. Elle est mignonne, avec ses petites dents là. En tant que future star de la future plus grande célébrité, de la future et la future plus grande célébrité que Félidée. Est connue, c'est un plaisir de te rencontrer. Tu es Camille? Je te dis qu'on aille faire du shopping. Elle est mignonne. Je souffre. T'inquiète pas, tu vas le retrouver. Oups. J'ai trouvé de m'appeler Nougat. Salut Nono. Oula. C'est quoi par terre? Ah, c'est du sol. Ok, j'avais pas compris. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, c'est un échec. Ah, tu voulais faire quoi ici? Une piscine? Et c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas mettre les motifs sur les bords. Sinon, il y a de l'idée. Hein. Bah oui, je vois avec le sol. Bah, on le devine. Nougat, ça me va bien. Ça, je trouve ça bizarre. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais que c'est sur les digues. Mais je ne sais pas trop. Ok, donc une piscine. Je te suis. C'est marrant, du coup, t'as des chats partout. C'est chouette. Ah, c'est Néferti, non? Je sais pas qui c'est. C'est joli. Ah, attends, je regarde juste sa maison. Bah si, c'est ça. Bah elle est pas de la même... C'est pas la même partout. Ça me tue. En tout cas, c'est fleuri chez toi. Hein. Dans toutes les fleurs. Ah oui, c'est ta maison. Joli. Hein. Oups. Un échec aussi. Mais faut pas dire ça. Et t'as vachement de fleurs, t'as vachement bossé. Hein. Regarde ça. Ok. Prenons l'échelle. Je te suis. Waouh. C'est... Ah bah c'est joli ici. C'est le petit... petit bac à sable. Oula. Ah oui. Oula, c'est la chasse au trésor. C'est des pièges ou pas? Ah mais c'est où? Ah, avec le petit parasol panda, c'est mignon. Un plan en double. Qu'est-ce que c'est? Jus de coco. Je crois que je l'ai. Attends. Je crois que j'ai. Ah non. J'ai pas. Bah c'est très gentil à toi. Alors, apprenons jus de coco.
Bah en tout cas, c'est mignon ce petit coin. Accès plongé. Oh, c'est trop chou. Oh là là, c'est mignon. C'est trop joli avec les petites touches de couleurs par terre. Un coin tranquille. Ah oui, je vois ça. Ta petite boutique. Ah, c'est chouette avec ok, avec des éléments. Oh, ça c'est trop mignon. Le coin, bien. Le coin camping. Avec le tuyau d'arrosage. Il est joli rouge comme ça, ça va bien avec la petite lampe. Là. Il est très joli ton petit coin camping. Je te suis. Un petit pont. Oh, non mais ça me bute la quantité de fleurs que tu as sur ton île. Mais regardez ça. Waouh. C'est joli. Oh là, bah oui, mais je comprends. D'accord, ok. T'as vraiment tout mis par terre. Ça, c'est ton usine à fleurs dorées. C'est impressionnant, hein? Et rose d'or. Je suis toujours en pied, je devrais aller m'habiller. Tu fais bien comme tu veux. Mon quoi, rose doré? Bah oui, oui. Je vois ça. Ah oui, d'accord. Oh la vache, je comprends pourquoi tu veux t'en débarrasser. Mon dieu. Ok, le petit coin musée. Avec sa fontaine. Des cerises. Oh là, c'est beau. Avec toutes les fleurs. Et ton musée. Yes. Non, c'est chouette, hein. Bravo. C'est une très jolie île. T'as beaucoup de fleurs. C'est incroyable. Voilà, voilà. Mais non, mais c'est impressionnant. Toutes tes petites... tous tes petits coins et tout, c'est... T'as de la patience quand tu toutes tes fleurs, là. Je pourrais pas. J'arriverais pas. Non, mais comment ça se fait qu'il y ait une quantité énorme d'hybrides et de magnifiques. Non, mais oui, c'est abusé, hein. Bah, elle a 1020 heures de jeu. Eh bah écoute, c'était très joli. T'as des persos, ils sont... On regarde juste ton île, vu comme ça, parce que avec tous tes chats, je trouve ça trop chou. T'as dû galérer à les avoir... à tous les avoir. Chapeau. Je me débarrasse, Caracol. Je suis trop jalouse. J'attends la suite de sa phrase. Bah oui, t'as plus d'étoiles. Bah oui, t'as plus les 5 étoiles. Je comprends. Je comprends, je comprends. Bah écoute, en tout cas, merci pour la balade. C'était une très jolie visite. Et je vais maintenant aller à la chasse à l'habitant. T'as un joli drapeau. J'ai vu ton drapeau avec les petites fleurs. Bonjour, j'aimerais beaucoup avoir vos roses dorées. Je pourrais vous échanger contre des clochettes. Alors Rico, bonjour à toi. C'est pas mon île. c'est l'île de Lola. À 1025 heures et non 1020. Ah oui, waouh. Attention, 5 heures de plus. Du coup, je suis désolée Rico, mais j'ai pas de roses à vendre. Iloane et le souci du détail. Ah bah oui, c'est ça. Écoutez, c'est parti. Ah, je m'étire. Est-ce que c'est parti pour la chasse? Écoutez, déjà 5 heures, c'est énorme. Toujours le sens du détail. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai que 465 heures de jeu. Et j'ai recommencé mon île. Voilà.
ça va. J'en veux 25. Mais attendez, les roses bleues ne se font pas avec les roses oranges? Alors les roses bleues, c'est hyper dur à avoir. Moi perso, j'ai jamais réussi. On m'en a donné, mais j'ai jamais réussi. Que 400 heures, c'est déjà beaucoup. Oui, non mais quand je vois vos nombres d'heures, je me dis que j'ai pas beaucoup d'heures à côté. Allez, c'est parti. Non, attendez. Attendez, attendez. Si on va y aller comme ça. Moi, on m'en a donné des roses bleues. Ouais, bah oui, bah moi aussi, on m'en a donné deux. Mais j'ai jamais réussi à en faire. Après, j'ai jamais non plus insisté. C'est-à-dire que comme moi, j'étais pas très fan. Je suis pas fan des roses. En fait, les seules que j'aime bien, c'est les noires, les violettes et les blanches. Donc, j'ai pas trop insisté pour en faire plus, en fait. Et ces couleurs-là, j'ai réussi à les avoir toutes seules. Allez, c'est parti! En fait, les hybrides, j'ai pas trop fait. Je réussis jamais. Non, mais elles sont hyper dures, les roses bleues. De toute façon, c'est. Même dans le guide, quand tu regardes les croisements à faire, c'est pas clair. C'est pas clair. Moi, j'ai tout essayé. J'ai pas réussi. D'accord, je peux te les donner, Rico. Alors, qui va-t-on trouver? Je reprends mon appli. Allez, go. Tonton aussi, je le trouve trop mignon. Allez, je vous envoyais sur chuchoter. De mon côté, je tiens au poste ici. Si tu as besoin d'outils, si tu veux rentrer chez toi, viens me voir. C'est parti. Oh, c'est un ourson. Alors, qui c'est? Vanessa. Je connais pas. Alors, attendez. Je cherche à chaque fois quand même. Vanessa. C'est une grande sœur ourson. Ah, sa maison est pas moche. C'est une grande sœur. Attendez, j'ai qui comme... attendez. Je vais regarder mes villageois et je vais regarder les... Donc j'ai paresseux, normal, vive, sportif, grande sœur, chic et note vive. Il me manque versatile. Et c'est tout. Je crois. Attendez, je vais chercher mon gros livre. Quand j'ai supprimé mon île... Attends. Quand je supprimerai mon île, je ferai ça, je ne prendrai rien pour m'aider. Car le jeu après le projet K, on m'a plus donné de choses que j'ai farmées. Est-ce que tu comptes supprimer ton île? Attendez, je reviens. Quand elle sera finie et que j'en aurai marre. Ah, d'accord. Alors, c'est quoi déjà les... Il y a... Ah, j'ai pas d'arrogant non plus. Ok, j'ai ma Bible. Je vais pouvoir regarder en même temps. Du coup, Vanessa, je suis pas hyper fan. Je vais pas... C'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur pour Vanessa, vous voyez. Je suis désolée pour ceux que ça... qui cherchent Vanessa. Moi, c'est pas un coup de cœur. Je vais quand même faire le tour. Parce que j'ai chopé plein de plans comme ça. Ah. C'est un requin? Ça, c'est un bar. On le sait. Alors attendez, je vais faire ça. Putain de crève. Après, moi, j'aurais bien aimé ne pas... Enfin, en fait, ce que j'aurais aimé, c'est trouver le bon nom de mon île dès le départ. Enfin, de l'appeler comme j'aurais voulu dès le départ. Comme ça, j'aurais pas eu à... à forcément recommencer, même si... Euh...
j'avoue que j'arrivais plus à faire ce que je voulais sur l'île que j'avais. Et les grande sœur, j'aime bien Faustine, mais pas sa maison. Faustine, c'est l'espèce d'autruche dans le phénix. Balance de cuisine. J'ai fait la même avant, j'avais une autre île japonaise, Akami, et puis je me suis lassée à force de faire juste ma routine. Ah bah c'est ça en fait. Moi ça me plaisait plus de faire juste ma routine. En fait j'avais plein d'idées de déco, enfin j'avais envie de faire plein de choses. Sauf que le problème c'est que tout ce que j'aime et le thème de mon île, les items et les collections que j'aime sont pas encore arrivés. Tout ce qui est champignons et tout, c'est pas encore arrivé, en tout cas sans été. Du coup je suis un peu... J'ai fait quelque chose en attendant de pouvoir avoir ces items là. Et je me suis pas écœurée, mais je me suis lassée et j'aimais plus jouer. Bonjour, je découvre ton live et sache que j'aime beaucoup que tu nous emmènes chercher ton prochain habitant. Merci Monde Infinity. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Tu connais Clarabelle? Non, c'est qui ça? C'est un mouton? Clarabelle. J'ai le livre, alors donnez-moi, je cherche. Alors. Il faudrait que je mette sur le livre, j'avais commencé à le faire, tous les persos que j'ai eu jusqu'au début, depuis le début. Un mouton hot dog. Attends, c'est où les moutons? Attends, je vais relancer le voyage. Où les moutons déjà? Je suis pas fan des lions. Vous êtes fan des lions? Je les trouve moches. Personnellement. Hein. Alors, je les trouve pas attirants, je les trouve pas... À part Léopold. Allez. Sérieux? Sérieux quoi, que j'aime pas les lions? Bah non, je suis pas hyper fan. C'est comme les pingouins, j'ai du mal. Ah, c'est mon avis, hein. Attends, Clarabelle t'a dit que c'était un mouton hot dog. Ah oui, ah oui. Je dis qu'il me manquait quoi? Arrogant et versatile. Trouve, pas trouvé. Ah non, les lions, je les trouvais moches. Je les trouve moches. Bah ouais, je suis pas fan. Je vous dis, à part Léopold, je suis pas convaincue. Enfin, je les trouve... Non. En même temps, les grandes sœurs, il n'y a rien. Oh si! Oh si, si, il y a quand même en grande sœur. Mais attends, tous les loups sont arrogants ou versatiles? Ah non, vif. Normal, chic, chic. Ah non, c'est un... Wolfgang, j'aime bien aussi. Mais j'aime pas sa maison. Ah non, c'est Lobo. Hier pendant ma chasse, je suis tombée sur Lupa, mais sauf que ça va pas du tout avec mon... Enfin, je suis pas fan de Lupa. En même temps, les grandes sœurs, il y a rien dans la liste des grandes sœurs. Ils sont toutes moches. Ils sont tous moches. Ah ouais, non. Oh non. Alors, qui c'est? Un cochon. Allons lui dire bonjour. Qui es-tu? Boris. Boris. Attends. Mince. Liste. Je cherche dans l'application aussi parce que c'est plus simple et comme ça je peux voir les... Ah non, 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 bah non, bah Boris, non. Il est versatile, mais non. Faustine veut partir. Ah! Bah tu peux la retenir. Tu t'appelles Camille d'Astoria, tu es loin de chez toi, Gamine. Enfin, je crois. Je n'ai vraiment aucune idée de l'endroit où nous sommes. À part au milieu de l'océan. Ouais, non, je suis pas fan. Je veux juste prendre les pommes. Quelques pommes, ça fera des sous. Ça fera des sous. Bon, pour l'instant, on n'est pas tombé sur... Ah, un petit point. Alors... Moi je vais y aller, bon après-midi, bon après-midi. Merci Louane, merci d'être passé, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Oh non, flambeau, je l'ai déjà.
Ça fait longtemps qu'elle veut partir, mais j'ai pas de ticket, alors je vais la laisser. Alors je vais la laisser rester. Bah écoute, tu peux peut-être t'arranger avec avec Lola, hein. Elle s'en débarrasse de ses tickets. Ah, je suis désolée. Je prends quelques pommes juste histoire d'avoir un peu d'argent. J'ai pas d'argent. Non, je voulais pas te parler. J'ai failli l'inviter, hein. Vous avez vu? J'ai fait B, hein. Heureusement. Hein. Ça aurait été catastrophique. J'ai pas d'argent. Bah moi, si tu veux, je peux t'aider. Hein. Alors. Ah. Tu m'en débarrasseras. Je veux rentrer, donc pour l'instant, non. Non, non, on y va. Alors, on continue, hein. On continue la chasse. Du coup, j'ai Clara, j'ai Civet. En vrai, je vais. Oh, j'ai toujours pas pris mon crayon, mais pourquoi je m'oublie à chaque fois? Il faudrait que je laisse un pot à crayon ici. En vrai, j'aimerais bien aussi retrouver. Une biquette. Genre Seguin, il est trop mignon. Seguin, il est sportif. Ah. Grognon, il me fait peur. En fait, en biquette, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que j'ai un normal? Je sais plus. Non, je crois pas. Il manque ces trois-là. Attendez, je retourne sur mon application. Alors, les villageois. Ah si, j'ai Emma qui est normale. Ok. En vrai, ils sont mignons pour l'instant, je suis contente. Alors. Faustine, elle est grande sœur. Mokhtar, il me fait peur. Mokhtar et Grognon, ils me font peur. Ils sont violets et verts, respectivement. Ah. Après, en petit piou-piou, là, en canard, j'ai eu Maël. Choco, je l'ai sur Animal Crossing New Leaf. Alors, qui est-ce qu'on a? Il y a pas mal de canards arrogants aussi. Alors. Oh, c'est Norma, je crois. Ouais. Elle est pas dans mes favoris, mais je la trouve mignonne. Son petit chapeau. Voilà, non, Norma, non. Je commence à les connaître. Je déteste les vaches. Je suis pas hyper fan. Attendez, elles sont où les vaches là? Elles sont là. Ah non, ça c'est les chevaux. J'ai confondu. Attendez. Il y en a énormément des persos. Oh, bah, c'est où les vaches? Ça va être à la fin. Les souris me font peur dans le jeu. Vaches. Ouais, il y a une bille de rien, dis-moi si tu les veux. Et ouvre ton île, je t'en donnerai, non t'inquiète pas, je demande rien. Justement, ça me débarrasse. Alors. Équipons-nous. On va aller quand même chercher les clochettes. Je voudrais des tickets et je vais ouvrir. Oui,
d'accord. Alors, tac, je prends ça. Et j'y vais. Je vais juste chercher les quelques clochettes. Vu que c'est l'île aux clochettes. La seule souris qui est mimi, c'est Quenotte. Ah ouais? Attends, elle est où Quenotte? Moi j'avais. Ah oui, elle est là. Oh, elle fait un peu peur quand même. J'avais Sucrète, mais j'aimais pas du tout. Elle fait un peu peur aussi, ouais. Allez, go. En fait, ce que je trouve trop mignon, c'est les écureuils. Les hamsters et les écureuils. Les chats. Les biches sont quand même trop choux. Alors. Ah, je vais pas avoir les 9 sacs. Même les aigles, je trouve qu'ils sont mieux. Ah non, j'ai attendu trop longtemps. On est sur une île rare, j'en profite. J'ai ma pelle qui va lâcher. Je suis même pas sûre de pouvoir faire tous les cahiers. Les singes sont mignons aussi. Luna, elle est mignonne. Je regarde pas ce que je fais. J'ai eu Patty aussi. En vrai, il y a plein de. Je me rends compte là en regardant. Merde, je me cahier. En regardant le bouquin qu'il y a quand même beaucoup d'espèces. Hein. Elle a pas Discord. Lola, une biche. Je pense que tu peux lui chuchoter. Allez, mon appel aura tenu. Comment ça, j'ai pas les 9 sacs. Moi, je comprends pas que tout le monde aime trop Apollon. Moi, je trouve trop simple. Ah, moi, j'aime pas Apollon. Par contre, Faust, je le trouvais trop chou. Allez, go. Continuons la chasse. C'est parti. Je sais plus si j'ai fait le tour par là. Y'a rien. Allez, go. J'avais Myrtille aussi sur la partie d'avant. Continuons. Oh, ah oui, je me souviens quand j'avais fait une chasse à l'habitant sur mon ancienne île. Désolée, c'est le soir, ma cousine a déréglé mon horloge. Mon horloge! J'étais tombée sur Victor avec ses yeux rouges là. J'ai eu peur. Oui! Eh ben, justement, on y va. Go! Ah, oh, j'aimerais bien tomber sur Coco, je la trouve trop chou. Ça me ferait 3 lapins. En vrai, les lapins, je les trouve trop mignons. Alice aussi, elle est mignonne. Alice, c'est un koala. Elle est normale. Ah. Elle est normale. Coco aussi. Ça va, j'ai encore la place. Faut Versatile et Arogo. C'est un chat. C'est Tom. Attendez, c'est où les chats? Ah.
Tom, il est versatile. Non, mais il n'est pas dans mes favoris. Oh non, 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 non. J'aime pas. Coucou, elle me fait peur. Ah bon? Les deux que j'aime le moins, Faust et Cornio, car Cornio sur une seule et même. Il s'est incrusté 4 fois sur une parcelle libre. La vache. Coucou, elle te fait peur? Moi, je la trouve trop chou. Cornio, il est mignon. Ah, Cornio, il est bleu, c'est ça, non? Je sais plus. Bon, ça va, j'ai pas les habitants trop moches là. On me propose pas non plus. Oh, c'est un gros poisson ça. Attendez. On pêche. Ah, oh, c'est une anguille. Merde, j'avais pas vu. Ah non! C'est un ciguë. Ah non, une murène. Quand je regarde dans les yeux, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'âme. Moi, je la trouve mignonne. Bon, bah écoutez, continuons. Hein. En fait, je pense que je me laisse au moins 10 tickets pour un perso. Je suis à 3 là, ça. Allez. Je sais pas sa personnalité, ses yeux. Ah, justement, Coco a pas d'âme. Elle sourit pas. Elle sourit pas et elle sourit pas. Coco, c'est vrai, elle fait flipper. Mais non! Attendez, je suis à combien? Ah, j'ai plus de place. Ah, j'en ai pris 4, ok. Sinon, elle est un peu mince. Moi, je la trouve mignonne. Allez! Ticket. Oui. Oui. Ouais, vas-y. Ah bah joujou. Mais attendez, elle a pas cet intérieur là, Emma, sur mon île. Elle cligne même pas des yeux. Non. C'est vrai qu'elle cligne pas des yeux. Elle est vide. Moi, je la trouve mignonne. Elle est différente. Bon, allez. Qui on a, là? C'est Victoria. Non. Je l'avais sur ACNH. J'aime pas. J'aime pas Victoria. Elle fait encore plus flipper. Bon, il n'y a pas de. Allez hop, je prends juste des petits cailloux. Je vais rentrer. C'est vrai qu'elle fait un peu peur, mais elle reste très mignonne en vrai. Sa maison est mignonne, elle parle mignonne. Elle parle mignonne. Elle est où Coco? Ils sont où les lapins? Attends. Allez là. En vrai, il y en a un qui fait encore plus peur quand même. Hein. Que Coco, je trouve. Attendez.
En lapin aussi. Bah c'est Ruby. Non. Putain, j'ai vu un lapin, il m'a fait hyper peur. Je le vois pas là dans mes plans. C'est pas dans les plans. Il avait les yeux rouges. Non, bah ça doit être Ruby. Moi ça me fait peur les albinos. Enfin les lapins albinos. Mais de base les créateurs voulaient la faire ressembler à un biscuit. Bah désolé mais c'est raté. Ah bon? Oh je sais pas. Je suis mitigée avec vos avis. Enfin. Dans ce cas là le pingouin défoncé Victor là il voulait refaire ressembler à quoi lui? Le truc avec les yeux tout rouges là. Lui il fait flipper. Je vais vous montrer. Lui je suis désolée, il fait très peur hein. Ah vous voyez. Voilà. Il voulait le faire ressembler à quoi lui? Alors donc. Ah c'est Luna. Attendez parce qu'elle est dans ma liste, elle est dans ma wishlist. Je l'adore, franchement je l'adore. Je vais vous montrer. Elle est grande sœur. Sa maison ressemble à ça, donc elle est dans mon thème. Et elle est trop mignonne. Je prends Luna. Allez, on a d'autres parcelles, vous inquiétez pas. Je prends Luna, je la trouve trop chou. Je la trouve trop mignonne, je suis désolée mais je la trouve trop chou. Voilà, on a Luna avec nous. Trop bien. Alors attendez, je vais l'ajouter à mon à mes préférés. Ah non, à mon village et j'enlève les préférés. Oh si, ils sont trop choux. Non, je la trouve trop mignonne. Ce que je vais faire là, c'est que je vais remettre une parcelle et je vais me fixer un objectif d'habitant. Oh merde. Je voudrais vraiment avoir Abraham ou Stéphane. Ou Coco ou Léa. Je veux... Mais Luna fait partie de mes habitants préférés. Ah non, non, non mais il est relâché là. Alors attendez. Mur bois sauvage. Allons-y. Cool. Alors, je reprends ça. Elle est trop mignonne. Ok. Désolée. Oh, je suis contente. Alors, je vais placer notre parcelle. On peut en placer plusieurs hein, en une seule journée, il me semble. Hein. Je vais essayer. J'y vais. Je vais essayer. Je crois que oui. Je vais aller vendre les fruits d'abord. Alors. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? C'est parti.
Non, la murine, faut que je la garde. Ça, c'est bon. Ok. Ok. Go. Même épicure, je trouve mignon. Hop. Ah. Corne d'abondance. Tac. Donc. Whip, 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 whip. Je vais donner la murène. Du coup, mes habitants, je pense que je leur ferai des petits endroits bien précis sur l'île, mais un peu plus sauvage encore. Pour l'instant, je les stack tous au même endroit. Et je verrai après comment je les répartirai sur l'île. Je sais pas pourquoi j'ai mis oui. Hein. Ok. Non, c'est good. Ok. J'ai toujours pas fait les fonds marins, il va falloir que je m'en occupe aussi de ça. Donc. Allons voir Tom Nook. Oh, elle est trop mignonne. J'avais un hamster comme ça, tout blanc. Chez mes parents. Enfin, il était gris et blanc. Re et merci Lula. Ah, vous avez fait vos échanges. Bonjour, bonjour. Bienvenue au guichet de consultation et de construction. Alors, parlons infrastructure. Vendre un terrain. Quoi? Comment ça? Ah, c'est vrai. Ah bah non alors. Ne fais pas ça. Ok. Bah alors non. M'a fait peur. Ah bon, ça en met un. Ah ouais. Je savais pas. Ok, 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 ok. Coucou Crystal Aura, comment tu vas? Oh là, mais j'ai failli faire une grosse bêtise. Oh non, j'ai une grosse anecdote sur les hamsters. Bah vas-y, on t'écoute. Ok, donc on peut pas faire ça. D'accord. Zut. Attendez, il faut quand même que je parle à Marie. Je suis bête. Pire tour. Ça met vraiment un perso en aléatoire. On peut pas repartir à la chasse. Ah ouais. Je me souviens pas de sur ma première île. Alors, on a combien d'étoiles? 2. Ok. Pour les fragiles, je ne dirai pas. Pas un jour super top, mais bon, toujours les mêmes soucis. Ah, courage à toi, Crystal. T'as frôlé la cata en que j'étais là. Bah oui, mais je me souviens pas que qu'on pouvait pas mettre plusieurs parcelles. Ok, c'est une par jour. Ok, très bien. Mais écoute, on va faire un peu d'aménagement quand même. Tout, 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 tout.
dodo. Eula, eula là là là. Ok, alors. Attendez, j'ai quoi dans mes poches là? Ah, mais du coup, peut-être aller poser un peu tout ça là. C'est chiant ça, je pensais vraiment qu'on pouvait. Ok, alors. Attendez, je range. Hein. Merde. Ok. On va faire un peu de plongée. Qu'est-ce qu'on a dans les poches là? Je vais manger. Ça marche une vie, bon appétit. Alors. Arche en pierre. Ah ouais, attendez. J'ai quoi comme craft? Ok. J'ai un lit comme ça. Je vais aller faire un petit tour de mon île. Déjà, je vais regarder un peu. Sinon, je vais aller faire un peu de plongée pour la bébétopédie et puis un petit peu de pêche et un petit peu de chasse à l'insecte. J'ai dit bonjour à tout le monde. Hippie, oui, je l'ai vu. Emma, je l'ai vu. Gradub aussi. Sylvain est toujours chez lui ou il est sorti? Je sais juste grâce à ma propre expérience, car j'avais mis deux parcelles et puis j'en avais pris un et puis j'ai plus croisé personne. Un crocodile très bizarre, bleu, très bleu moche. Ah, ok. Bah écoute, non, mais je te crois. Je verrai demain pour le pour, on verra demain pour l'autre du coup. Alors, il grave toujours la même chose ou pas? Ah oui, il grave. Ah, si j'ai bien compris, quelqu'un qui s'appelle Luna va emménager sur le nouveau terrain. Quel cadeau bienvenu te semble mieux? Purée d'épinards ou clafoutis? Oh, ça, j'ai faim. C'est trop mignon chez lui. Et du coup, Luna sera là-haut. Avec. Avec Clara. Coucou Aziz, comment tu vas? En vrai, ça va, ils sont bien, mes petits habitants. Oh yes! C'est trop ce que j'imaginais. Oula. Je suis en pleine tentative de recréer l'image mentale que j'ai de cette pièce dans le monde réel. Pardon. Ok, ça va et toi? Bah ça va mieux, ça va mieux. Je me remets de mes... de mon rhume. Alors, et donc Luna sera là. Ok. Je sais plus s'il faut tout désherber pour avoir les 3 étoiles. Je ne sais plus. Je sais plus si c'est obligé.
C'est quoi le projet K? Le projet K, c'est le projet Kéké la glisse. Il faut avoir les 3 étoiles sur ta ville, enfin sur ton île, pardon, pour faire venir Kéké. J'aime bien ce petit coin là. Alors. Non. Tapons les cailloux. Oh non, je le savais. Ah oui, je vois. Ma pelle. Ok, je vais ramasser tout ça. Je suis vraiment pas fan des anémones, il va falloir que je les change. Donc on va aller... je suis vraiment désolée. On va aller faire un petit peu de plongée. Oh non, j'ai raté mon coup. C'est pénible qu'on puisse pas changer de vue caméra quand on nage. Un oursin. J'ai pas fait encore. J'ai remonté une perle, mais j'ai pas eu Pascal, je crois, depuis le début du jeu. Je ne l'ai pas encore vu. Eh ben. Que des oursins. Un petit pétoncle. Du raisin. Tac. Oula. Peut-être bien un péton tout ça. Ah non. Allô Cynthia. Yunobi. Oh, une perle. Alors, par contre, j'ai toujours pas de pétoncle. Un plouple. C'est bien, ça va me faire d'autres nouveaux trucs à mettre dans le musée. Malheureusement, je n'ai pas pu manger. Ah merde. T'arrives trop tard à table. Ah oh, derrière. Parce que la nourriture est encore congelée. Ah, tu n'avais pas fait de donation. Pas au niveau des fonds marins. Pas encore. Enfin, j'en avais fait quelques-unes, mais pas assez. Enfin, pas beaucoup, quoi. J'avais pas pris le temps. Balane. Alors ensuite. Oula! Il m'a brain.
Je l'ai attrapé juste avant de remonter. Un bulot. Je sais pas combien de place il me reste encore là. Il me doit en rester assez. Ok. Pardon. Quelle heure il est là? 15h. Je pense qu'après la petite partie de pêche, enfin de plongée, je vais faire une petite pause. J'irai manger. Et je reviendrai plus tôt ce soir, je pense. Salut, j'ai Mireille en carton, tu la veux? Alors attends. Merci Zarod. Je sais pas du tout qui c'est Mireille. Attends, je vais regarder. Ouh. Mireille. Ah non. Non merci, c'est gentil, non. Ouais, c'est un singe rose et gris, ce que j'ai vu. C'est Néfertiti à faire partie. Ouais, moi je suis pas fan de Néfertiti. Il y a peut-être des gens dans le chat qui seront plus... intéressés que moi. Pardon. Alors. Toujours coup de pétoncle, hein. Peut-être ici. Non. Une moule. Malheureusement, je n'ai pas de place libre. Les singes n'ont pas été impliqués dans le jeu, c'est pas une du tout. Ah si, moi je viens de récupérer Luna, je la trouve trop mignonne. Il n'y a que elle, hein, mais je la trouve trop chou, Luna. Elle arrive demain sur l'île. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, est-ce que Pascal va débarquer? Oui. Hey man, ton pétoncle là, je peux l'avoir? Oh, tiens. Luna et Magogo. Ah, Magogo ressemble à quoi? Attends. Attends. Sur les singes. Oh non. Magogo. Ah oui, elle est mignonne. Non, Mireille, non. Elle me fait peur. Pardon. Tu l'as eu en chasse ou au camping? J'ai été la chercher en chasse. Comme t'as été sympa pour le péton, je t'ai laissé un petit plan de bricolage pour te remercier. Il va te falloir des perles pour ce plan, mais on peut parfois en trouver au fond de la mer. Quand j'en trouve, je les ramasse aussi. Mais en échange d'un péton qu'on pourra s'arranger. Chez moi, c'est donnant, donnant. Ça rime avec gagnant, gagnant, mal. Mais je vais pas te laisser partir sans partager une pensée à méditer. Attention. La gravitation, c'est juste la façon qu'ont les planètes de rester en contact, man. C'est fou quand on y pense. Allez, continue à nager dans le bonheur, surtout. Pardon, pardon. Magogo, c'est un gars. Ah oui. Comment ça, si c'est des gars ou des filles dans le bouquin, là? Il n'y a pas les petits signes. ça va, vous énervez pas. Alors. Sur le bouquin, c'est pas, y a pas les sexes. C'est vrai que l'appli, elle est bien pour ça au moins. Alors attendez. Ah oui. Ah, j'ai autre chose.
Pour certains, j'arrive pas à faire des stations, surtout avec les loups. Bah, les loups, si, ça va. En vrai, ça va. Avec leur prénom, ça va. Attendez, je cherche les loups dans mon livre. Ils sont là. Ça va, les loups. Je trouve qu'avec les prénoms, les loups, on s'en sort quand même pas mal. Merci. Oula. Un OA et une OA. En tout cas, merci à toi. Bienvenue sur le live et sur la chaîne. Merci pour le follow. Alors, ça y est là? Ok. Du coup, je vais aller porter ça à Thibaut. Oui, oui, oui. Le truc, c'est que je peux la mémoire des noms. Ah. Je vois. Je comprends. Moi ça va, j'arrive à les reconnaître maintenant. Enfin, j'arrive à me souvenir de leurs prénoms quand je les vois sur les îles et tout. Oh, c'est pas vrai. Faire une donation. T'inquiète, pendant longtemps je croyais que Capri était une fille. Ah oui. Je vois. Ah bah un seul c'est bien. Déjà. Fantastique, c'est avec Joe que je te déleste. Non, c'est bon. C'est ok. Alors. C'est normal qu'il y ait des étoiles filantes, mais que je trouve pas céleste. Il est quelle heure sur ton île? Normalement, elle est là, Céleste. Alors, ça peut, hein. Ça peut être normal. Moi, il y a plein de fois où j'ai plus d'étoiles filantes ou des étoiles filantes et j'ai pas Céleste. Il ressemble à quoi le tapis? Oh, il est trop beau! Attendez, on peut le faire. Je vais le faire. Oh, pardon. Désolée. Ah mais j'ai pas de... Attendez. J'ai pas de... Non. J'ai pas de... D'établi à l'intérieur. Bah c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ok, go. Karma. Bah ça va, c'est pas très grave finalement. Déjà t'as les étoiles filantes. Après est-ce que t'as déjà vu Céleste cette semaine ou pas? Si oui, je crois qu'elle te donne qu'un seul point. Après elle te donne une baguette ou un truc... des fragments d'étoiles. Je crois. Non, pas de Céleste. Ah. Alors allons voir le tapis. Oui, poim, poim. Oh, il est mignon. Là, c'est mon fourre-tout pour l'instant. Ok. Mais une fois, j'ai eu la sainte lampe Nova. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Eh bien, écoutez, je pense que je vais faire une petite pause ici. Je vais vous envoyer chez quelqu'un, je pense. Alors, attendez. Bougez pas, je vais essayer de trouver quelqu'un qui fait du Animal Crossing et qui pourrait... Attendez, faut que je vous mette sur ma souris, là, juste pour récupérer. Ça, paf, hop, je vous remets ici. Bon après-midi les gens. Bon après-midi Moïse, merci d'être passé. Je restreamerai dans la soirée, je pense. Je vais juste faire une pause pour ma voix, ma gorge, aller manger un petit truc. Et puis on se retrouve, je pense, en début de soirée ou
ou dans la soirée. Alors, qui je peux... Sur qui je peux vous envoyer? Attendez. Bougez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais? Je ne crois pas. Merci. Je vous mettrai un petit truc sur Discord. Sur le Discord quand je reprendrai le live. Alors attendez. Joyeux anniversaire à Loa. Déco, visite, discussion. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous allez entendre le son. Oh, attendez. Bougez pas. On va essayer de vous trouver quelqu'un d'autre. J'attends la pub. Mettre un petit peu de musique en fond. Tac. Oui, je bouge pas. Alors. Bah écoutez, elle a l'air mignonne. Allez, on va, je vous envoie là. Tac, donc normalement si je fais. Tag. Et voilà. Je vous envoie. Bah n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, alors je ferai une notification. Allez, je vous envoie chez Sochan. À tout à l'heure! Allez-y, allez-y. À tout à l'heure, tout le monde!